Bonjour et bienvenue à Parlons Justice. Aujourd'hui à l'émission, nous abordons la thématique de l'aide médicale à mourir ainsi que la loi concernant les soins de fin de vie. Pour ce faire, nous recevons Maître Laurence Martin, avocate de formation et juriste au Centre de justice de proximité de l'Outaouais, Madame Maryse Gaudreau, députée de Hull et vice-présidente de l'Assemblée nationale du Québec, ainsi que Maître Benoît Pelletier, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa et ex-député et ministre. Bonjour et bienvenue à Parlons Justice, l'émission d'information juridique présentée par votre Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Mon nom est Maude Bégin-Robitaille, avocate et responsable des communications pour les Centres de justice de proximité du Québec, vos organismes d'information, de soutien et d'orientation pour mieux comprendre vos droits et vous y retrouver un peu mieux dans le système de justice. Aujourd'hui à l'émission, on aborde un sujet qui est touchant. L'aide médicale à mourir. En février 2015, la Cour suprême du Canada a rendu l'arrêt Carter qui est venu un peu ouvrir la porte, donner le feu vert à la décriminalisation de l'aide médicale à mourir. Au Québec, nous avons été la première province à légiférer sur le sujet en adoptant la loi concernant les soins de fin de vie. Donc, pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons des invités bien spéciaux. Tout d'abord, comme d'habitude, notre juriste du Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Bonjour, Laurence, Maître Martin, qui est avocate. Bonjour. Nous avons aussi la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Mme Maryse Gaudreau, députée de Hull et vice-présidente de l'Assemblée nationale du Québec. Bonjour Mme Gaudreau. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez être en mesure de nous parler un peu plus de la commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité, dont vous avez été membre et même présidente durant la dernière année, de nous parler peut-être un peu aussi des critères concernant l'aide médicale à mourir. Oui, et ce sera, c'est toujours un sujet très intéressant qui me tient à cœur. Dans lequel je me suis investie pendant de nombreuses années avec certains collègues de l'Assemblée nationale. Alors, je pourrais vous parler de comment on en est venu à tenir cette commission et où nous en sommes aujourd'hui. Excellent. Merci beaucoup. Nous recevons aussi notre dernier invité, Maître Benoît Pelletier. Vous êtes professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Vous êtes aussi ex-ministre et ex-député. Donc aujourd'hui, vous allez pouvoir nous parler un peu plus peut-être de la loi fédérale, de l'arrêt Carter et puis peut-être un peu aussi de la loi provinciale là, avec nos autres invités. Voilà. Bienvenue. Merci, merci. Comme vous l'avez dit, l'objet central, c'est l'arrêt Carter, rendu en 2015. Et puis, par la suite, a suivi la loi québécoise et par la suite, la loi fédérale. Alors, c'est ça qu'on va essayer d'éclaircir ce soir pour l'ensemble de la population. Excellent. Merci beaucoup. En commençant, j'aimerais, avec nos auditeurs, qu'on visionne une petite vidéo. On va revivre ensemble le moment du dépôt du rapport de la commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité. On regarde ça et on revient avec vous tout de suite. Après 2 ans de travaux, la présidente de la commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité, Mme Maryse Gaudreau, a déposé à l'Assemblée nationale le rapport de la commission. La commission s'est par ailleurs réunie à 51 reprises en séance de travail pour déterminer les observations, conclusions et recommandations. Le rapport de la commission contient 24 recommandations adoptées à l'unanimité. Ce débat de société sur une question aussi sensible que la mort nous a profondément marqués et s'inscrira sans nul doute dans l'histoire du Québec. Merci, M. le Président. Les membres de la commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité ont expliqué, lors d'une conférence de presse, les 24 recommandations contenu dans le rapport. Comment réagir aux demandes d'aide à mourir? Comment assurer à tous une mort dans la dignité? Vous vous rappellerez que c'est sur la prémisse de ces questions, très complexes, que les travaux de notre commission ont débuté il y a plus de 2 ans. Nous sommes d'avis unanimement qu'une possibilité supplémentaire est nécessaire dans le continuum des soins de fin de vie, soit l'aide médicale à mourir. L'aide médicale à mourir se veut une réponse exceptionnelle, mais une réponse qui se doit d'exister
pour cette minorité de personnes qui vivent une situation de souffrance exceptionnelle. Prenez connaissance du rapport sur le site Web de l'Assemblée nationale. C'était tout un moment, Mme Gaudreau, que ce dépôt du rapport. J'aimerais vous entendre sur cette fameuse commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité. Pouvez-vous nous expliquer un peu pourquoi au Québec on a ressenti le besoin de poser la question, d'aller faire des recherches, d'évoluer là-dedans, d'aller vers l'aide médicale à mourir? Oui, c'est une bonne question que les gens se posent régulièrement, encore aujourd'hui. C'est le Collège des médecins qui avait mandaté un comité d'experts pour revoir tous les soins en fin de vie. Parce qu'avec l'avancée de la médecine et de la pharmacologie, on pouvait transformer un mourant en malade chronique. Alors, où est-ce que ça s'arrête? L'acharnement thérapeutique et tout ça fait en sorte que les médecins ne pouvaient plus cesser les traitements sans avoir un risque de poursuite. Alors, c'est pour ça que ma collègue Véronique Yvon, députée de Joliette, avait déposé une motion pour créer cette commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité. Et à ce moment-là, on a regroupé certains élus de l'Assemblée nationale qui allaient être membres de cette commission. Nous avons par la suite rencontré 32 experts pour nous préparer à ce qu'on allait vivre, puisque ça allait être une commission itinérante qui allait se déplacer dans 8 villes au Québec pour aller entendre les citoyens par rapport à ces soins de fin de vie, leurs témoignages, ce qu'ils veulent qui évolue dans le réseau de la santé, parce que le statu quo n'était pas possible. Alors, on a vraiment travaillé très, très fort. La première année, nous nous sommes déplacés, comme je l'ai mentionné, dans 8 villes. Par la suite, 51 sessions de travail et on en est arrivé à un dépôt d'un rapport, comme on vient de voir, unanime. 24 recommandations, un exercice non-partisans qui est encore louangé aujourd'hui parce qu'on doit les multiplier, ces commissions non-partisanes. Et je suis très, très fière d'avoir pu participer à cette commission. Ça fait vraiment l'air d'être quelque chose de très prenant, de très, autant émotionnellement que pour toutes les règles juridiques aussi qu'il fallait en arriver. D'ailleurs, j'aimerais ça peut-être que vous nous parliez un petit peu de la loi concernant les soins en fin de vie. Il y a des critères dans cette loi-là pour bénéficier de l'aide médicale à mourir. À qui ça s'adresse, cette loi-là? Qui peut le demander? D'abord, cette loi-là a été déposée en décembre 2015, même si notre rapport a été déposé en 2012. Il y a eu toutes sortes d'évolutions. Oui, à un texte. Il y a eu trois gouvernements qui se sont succédés pendant l'adoption de ce projet de loi, et ce qui mettait quelquefois à mal la possibilité de l'adopter, mais c'est ce qui a été fait en 2012 et nous en sommes très heureux. Alors, il fallait identifier des critères très serrés pour faire en sorte que, suite au dépôt du rapport, que l'ensemble de la population, d'abord, ait le sentiment d'avoir été entendu, puis aussi qu'on n'aille pas trop loin dans notre rapport, qui, je crois, était très équilibré. Alors, il fallait être admissible, assuré par la loi de l'assurance maladie, être majeur, être apte à prendre la décision. Cette aptitude a été au cœur de nos décisions, de nos échanges, devrais dire. C'est important, puisqu'on aurait pu aller jusqu'aux personnes qui vivent avec une maladie dégénérative du cerveau, qui ne peuvent pas prendre la décision, mais qu'un parent aurait pu le prendre. Et pour nous, c'était tout tourné autour de l'aptitude. Il fallait être en fin de vie et aussi avoir une situation médicale qui se caractérisait par un déclin avancé et surtout irréversible de sa condition, et aussi vivre avec des souffrances intolérables et à laquelle on voulait mettre un terme. Une chose dans les critères que vous avez dit, moi, qui m'amène plein de questions, c'est la question de la fin de vie. Comment on détermine qu'on est en fin de vie? Est-ce qu'on met une ligne dans le sable, là, on est en fin de vie? Est-ce que c'est une définition juridique, une définition médicale? J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Bien, c'est une très bonne question, puis on a aussi beaucoup discuté de c'est quoi la fin de vie. On n'a pas voulu mettre un chiffre, dire 10 jours, 20 jours, 3 mois, 1 an. On voulait laisser ça aux deux personnes concernées, le médecin et la personne qui fait la demande d'aide médicale à mourir. Alors, un médecin pourrait certainement croire que 3 mois, une espérance de vie de 3 mois n'était pas nécessaire pour une personne si elle allait vivre avec des souffrances intolérables et que déjà, elle demandait à être soulagée par rapport à ses souffrances. Alors, on a voulu laisser cette latitude aux médecins et aux patients.
Et c'est pour ça qu'on a amené aussi tous les critères, les autres critères pour voir si le patient répondait à tous les critères d'abord pour qu'un médecin puisse répondre à cette demande. Merci beaucoup, Mme Gaudreau. Ça nous éclaire pas mal, en fait, sur le début de la loi. Je passerai peut-être la parole à Maître Martin. Une fois qu'on est admissible, qu'on rencontre les critères que Mme Gaudreau nous vient de nous expliquer, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait la demande? J'imagine qu'il y a des formulaires à remplir. Ça ne se fait pas juste par une demande verbale. Non, en fait, c'est quatre critères qui sont cumulatifs. Pour commencer, c'est une demande verbale qui est formelle. Ça doit être fait auprès d'un professionnel de la santé. Ça peut être notre médecin de famille, là, par exemple. Donc, c'est une demande qui est éclairée, qui est volontaire. À la suite de cette demande verbale-là, on a une demande écrite qui est faite auprès du formulaire de demande d'aide médicale à mourir. Ça, c'est disponible auprès de tout professionnel de la santé. Là, on peut avoir ce formulaire-là. Troisièmement, il faut signer et dater le formulaire. En fait, le formulaire, comment est-ce que c'est signé et daté? C'est en présence du professionnel de la santé, donc en présence de notre médecin. Lui aussi va devoir apposer sa signature et tout ça va devoir être fait en présence de deux témoins qui sont indépendants, donc des gens qui n'ont pas avantage à ce que la personne bénéficie de l'aide médicale à mourir. Et quatrièmement, la personne qui veut avoir recours à l'aide médicale à mourir va devoir répéter sa demande verbale à chaque rencontre avec son médecin. On voit que c'est vraiment encadré, qu'il y a vraiment de nombreuses étapes. Qu'est-ce qu'on fait si la personne, elle est incapable physiquement là, de signer son formulaire? Je pense par exemple à quelqu'un qui a une dégénérescence physique, qui est vraiment incapable physiquement de le faire, mais qui est encore complètement là d'esprit. Oui, effectivement, ça pourrait arriver que la personne, par exemple, ne sache pas écrire ou ait perdu, par exemple, ses mains, ne puisse pas utiliser ses mains. Alors, à ce moment-là, cette personne-là va faire appel à un tiers autorisé. Ce tiers autorisé-là va prendre sa place, donc va signer pour elle, mais ça doit se faire en sa présence, donc avec la personne qui va bénéficier de l'aide médicale à mourir et selon ses directives. Okay. Alors, c'est très encadré à ce niveau-là également. Évidemment, quelqu'un qui est, par exemple, inconscient, là, on ne peut pas signer à sa place. Mme Gaudreau disait tout à l'heure qu'il faut que les personnes soient conscientes, qu'ils soient présentes d'esprit. Donc, la signature à la place de quelqu'un, c'est juste quand il y a une incapacité physique. Là. C'est bien ça, Mme Gaudreau? Qui n'a rien à voir avec l'aptitude à la personne de faire la demande. Parce qu'il faut aussi que la personne soit bien consciente qu'une aide médicale à mourir, ça veut dire que c'est la fin. C'est définitif. Il y a pas, mais on peut toujours changer d'idée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Laurence, jusqu'à la toute fin. On peut décider de ne pas aller de l'avant. Parce qu'on le sait, il y a des personnes qui peuvent être très déprimées une journée. En fin de vie, c'est pas toujours joyeux. Mais il y a des journées où ça va mieux. Et là, ils ne répètent pas cette demande. Alors, il faut être très à l'écoute d'une personne qui souhaite faire cette demande. C'est pour ça que l'aspect de la répétition était important pour nous. Ça ne veut pas dire, encore une fois, on n'a pas dit 4 fois, 10 fois. Ça peut être juste 2 fois. Ça dépend du contexte dans lequel le patient se trouve. J'aimerais vous entendre aussi, Mme Gaudreau, sur maintenant du côté du médecin. On a parlé du patient, mais le médecin aussi a un acte à faire qui est quand même lourd de conséquences. Peut-être qu'il y a des médecins que pour eux, au niveau de leur valeur, de leur croyance, ils ne peuvent pas le faire nécessairement ou ils refusent. Ils ont le droit de refuser de donner l'aide médicale à mourir. Absolument. Okay. Et vous savez, on est allé visiter certains pays en juin 2011 pour voir aux Pays-Bas, en Belgique, en France aussi, mais surtout aux Pays-Bas, Belgique, voir l'évolution de cette loi qu'ils avaient adoptée 10 ans auparavant. Et ça, c'était un des enjeux. C'est qu'il n'y avait pas dans la loi cette obligation de référence si la personne, par objection de conscience, ne voudrait pas répondre à une demande d'aide médicale à mourir, même si c'est un de ses patients. Alors, c'est pour ça que nous, on a mis ça dans la loi, parce qu'en Belgique, cette obligation de référence n'est pas là dans la loi, et c'est pour ça qu'il n'y a pas autant de gens qui reçoivent cette aide médicale à mourir à laquelle ils aimeraient avoir accès, parce que leur médecin, selon ses valeurs, ne veut pas le faire. Mais alors, ils ne sont pas obligés de référer à un autre médecin. Ici, on doit référer à un autre médecin et ça se fait en lançant un signal ou en tout cas en informant le directeur de l'établissement de santé qui, lui, va immédiatement chercher quelqu'un d'autre, parce qu'il faut se rappeler, on est en fin de vie, là, on n'a pas beaucoup de temps.
Alors, c'est ici, cette obligation est très connue des médecins. Et fait intéressant, lorsqu'on a obtenu notre commission, il y a quelqu'un qui représentait l'Association des vétérinaires, qui est venu nous voir. Je ne voulais pas faire un parallèle entre la médecine animale et la médecine humaine, okay. Mais l'objection de conscience, elle est aussi présente chez les vétérinaires. Okay. On pense que ce sont tous les vétérinaires qui font des euthanasies, et ce n'est pas le cas. Mm-hmm. Alors, c'est vraiment un choix personnel. OK. Ah, c'est intéressant de savoir ça. On a dit beaucoup de choses là, depuis le début de l'émission. Laurence, il y a une capsule, je pense, sur le site d'Éducalois où les gens peuvent peut-être revoir l'information et puis Exactement. Retrouver ce qu'on a dit ce matin. En fait, c'est une capsule qui a été faite par Éducalois. C'est pour justement vulgariser les démarches par rapport à l'aide médicale à mourir, qui a accès à cette aide médicale à mourir-là. Donc, si jamais il y a des questions qui se posent auprès de nos auditeurs, ils peuvent toujours aller voir sur le site d'Éducalois. Ils vont avoir des réponses à leurs questions. Parfait. On va faire défiler l'adresse pour eux. Là, comme ça, ils vont pouvoir retourner voir l'information. Maître Pelletier, j'aimerais ça passer à vous. J'aimerais ça que vous nous parliez un peu de l'arrêt Carter. Là. Je sais qu'au Québec, on avait commencé avant à en parler, on avait commencé les travaux de la commission, mais l'arrêt Carter, ça a été quand même un grand tournant là, dans la question de l'aide médicale à mourir. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Oui, c'est un arrêt qui a décriminalisé l'aide médicale à mourir sous certaines conditions. Okay. Alors, l'une des conditions, bon, d'abord, on parle d'aide médicale, ça veut dire l'aide doit être apportée par un médecin. Mm-hmm. Dans le cas de l'arrêt Carter, dans le cas de la loi fédérale, on verra qu'ils ont étendu ça aux infirmiers praticiens, okay. Mais l'arrêt Carter parle vraiment des médecins. Donc, d'aide médicale à une personne adulte, capable, donc, de décider, là aussi, la capacité décisionnelle est vraiment quelque chose d'extrêmement important, capable de décider, qui consent clairement à mettre fin à ses jours, qui souffre de problèmes de santé graves et irrémédiables, problèmes de santé qui lui occasionnent des souffrances persistantes et intolérables. Alors, vous voyez que... C'est un peu les critères hein, de la loi québécoise. Absolument. Il y a un parallèle qui peut être fait entre l'arrêt Carter et la loi québécoise. Mais en même temps, l'arrêt Carter touche à l'euthanasie volontaire, okay. Comme la loi québécoise, mais va plus loin puisque l'arrêt Carter parle aussi du suicide assisté. Mm-hmm. Et la différence entre les deux, c'est que dans le cas de l'euthanasie volontaire, c'est le médecin lui-même qui accomplit l'acte final, finalement, qui injecte donc dans le corps du patient le médicament qui est létal, alors que dans le cas du suicide assisté, c'est tout simplement le médecin, bien tout simplement, il n'y a rien de simple, mais c'est le médecin qui procure au patient le barbiturique qui va entraîner la mort et c'est le patient qui va avoir la responsabilité de le consommer ou non, bien entendu. Ah, mais on comprend bien la différence. Si je me souviens bien, l'arrêt Carter avait un peu donné une période de temps aussi au gouvernement fédéral pour retravailler le code criminel. Comment ça s'est passé une fois que l'arrêt Carter a été rendu? J'imagine qu'il y a avoir aussi des comités consultatifs au niveau du gouvernement fédéral. Bien, ils ont mis sur pied un comité dont j'ai été membre. Ah, bon. ça, placé pour nous en parler. Oui, oui, tout à fait. Donc, ils ont mis sur pied un comité externe. Mm-hmm. De 3 personnes pour conseiller le gouvernement en matière d'aide médicale à mourir. Ça a été donc l'étape, la première étape. La deuxième étape a été la tenue de commissions parlementaires, très rapide cependant, moins longtemps que ce qu'a fait le Québec, bien entendu, parce que les délais imposait une réponse beaucoup C'était plus prompte. C'était un an, je pense, quelque chose comme ça qu'ils un avaient. An, un an qui a été quelque peu étendu par la suite, mais à tout événement, le gouvernement du Canada disposait de peu de temps pour réagir. Donc, tenue de commission parlementaire et par la suite, le dépôt d'un projet de loi dont on a été un peu surpris de la nature. Ah oui. Oui, tout à fait, parce que c'est un projet de loi qui semble beaucoup offrir une interprétation plutôt restrictive okay. de l'arrêt Carter. Okay. Vous savez, quand vous êtes en présence d'un arrêt de jurisprudence ou d'une décision de la Cour suprême, vous pouvez l'interpréter libéralement, hein? Vous pouvez l'interpréter largement, comme vous pouvez l'interpréter restrictivement. Alors, dans les deux cas, vous prétendez respecter ce qu'a dit la Cour, bien entendu, mais c'est une question d'interprétation. Et là, le gouvernement du Canada et le Parlement du Canada ont choisi une interprétation plutôt limitée okay. de l'arrêt Carter. Ça, c'est différent, j'imagine, de la loi québécoise. Pouvez-vous peut-être nous en parler un petit peu de la loi fédérale, puis après nous parler des différences avec la loi québécoise? Oui, d'abord, la loi fédérale utilise l'expression « mort raisonnablement prévisible »
plutôt que fin de vie. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. A priori, la mort raisonnablement prévisible semble un peu plus large comme concept que la fin de vie, surtout qu'on ne requiert pas que le médecin donne un pronostic d'espérance de vie au patient. Okay. Donc, il y a comme une évaluation de l'espérance de vie, mais sans qu'un pronostic est vraiment à être formulé par le médecin au patient. Et puis, bien entendu, là, et c'est la même chose pour la loi québécoise, on parle d'un déclin irréversible et avancé des capacités physiques. Donc, c'est vraiment des gens qui sont quand même, là, admettons-le, en fin de vie dans les deux cas, bien que, je le répète, la loi fédérale semble a priori être un petit peu plus large que la loi provinciale. OK. Bon, c'est intéressant de voir la différence aussi, alors qu'on est un peu dans le même pays, on a eu le même arrêt Carter. Moi, j'aimerais vous entendre tous les deux sur la question de l'avenir de l'aide médicale à mourir dans le reste du Canada. Où sont rendues les autres provinces? Est-ce qu'ils ont fait les mêmes débats que nous ici au Québec? Est-ce que, en fait, tu sais, où est-ce qu'ils en ont et où est-ce qu'ils veulent aller sur cette question-là aussi? Hein? Peut-être Mme Gaudreau? Oui, en Ontario, ils ont légiféré, ils ont été très inspirés par le travail et le débat qui a eu cours au Québec. À l'époque, Madeleine Meyère était la ministre de la Justice en Ontario. Elle travaillait étroitement avec le ministre de la Santé, puis ils en sont venus justement à une loi aussi en Ontario. Alors moi, je crois bien que toutes les provinces vont emboîter le pas. Maintenant, il y a des provinces où ça va peut-être être un peu plus long processus que d'autres. Mais vous savez, le Québec, on a toujours été une province très progressiste. Oui. Et c'est souvent les élus québécois, lorsqu'il y a des lois au fédéral, qui, Mme Lalonde avait proposé un projet de loi il y a quelques années, et les députés québécois avaient voté en faveur, mais ça avait été rejeté par le reste du Canada. Comme quoi, au Québec, on est prêt à faire ces débats qui sont très importants, sensibles, mais il ne faut pas oublier qu'au Québec, les sondages, depuis plus de 30 ans, démontraient qu'il y avait un accueil positif d'une telle législation au Québec depuis plus de 30 ans. Alors, on savait vraiment que les Québécois étaient prêts à une telle avancée. Est-ce qu'on le sait si dans les autres provinces canadiennes, il y a aussi une espèce de consensus social concernant l'aide médicale à mourir ou c'est vraiment plus chez nous? Est-ce que vous avez la réponse à ça? C'est difficile à mesurer parce qu'il n'y a pas eu de débat dans les autres provinces. Okay, pas comme il y en a eu un au Québec. Okay. Mais malgré que l'arrêt Carter, il faut l'admettre, n'émane pas du Québec. L'arrêt Carter émane de la Colombie-Britannique. Alors, c'est sûr que le Québec est un chef de file en la matière, c'est évident, mais n'est quand même pas la seule province à s'être intéressée à cette question-là. Oui. Mais il en reste pas moins que c'est difficile de mesurer jusqu'où il y a un consensus. Mais là, maintenant, évidemment, il y a une loi fédérale avec laquelle toutes les provinces doivent composer et qui établit la barre. Hein? Et puis en plus, il y a l'arrêt Carter qui va être éventuellement réexaminé par la Cour suprême du Canada. Ça va être contesté, parce que, c'est déjà contesté. C'est déjà fait. La loi fédérale est contestée déjà devant les tribunaux. Donc, éventuellement, après un certain nombre d'années, ça va se retrouver devant la Cour suprême du Canada. Et justement, je rencontrais le juge Wagner de la Cour suprême du Canada il y a quelques jours, qui me disait qu'il a hâte au jour où l'arrêt Carter sera réexaminé par la Cour, pas nécessairement pour être renversé, mais tout simplement pour qu'il ait l'occasion de se prononcer lui aussi sur cette question. Je pense que ça va prendre quelques années, en tout cas, avant qu'on se retrouve jusque-là. J'ai une dernière question en terminant, là, de tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. C'est une question aussi que j'ai déjà entendue d'un citoyen qui me demandait si on pouvait... au Québec, on a les mandats à cause d'inaptitude, on a des fois des directives anticipées. On ne peut pas, je crois, mettre l'aide médicale à mourir dans ces choses-là à l'avance. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'il faut toujours qu'il soit déterminé au moment même où on le demande. On ne pourrait pas, dans un mandat, dire, bon, les soins palliatifs, j'en veux, l'aide médicale à mourir, j'en veux pas. C'est pas quelque chose qui est déterminé à l'avance. Peut-être, Mme Gaudreau? Bien, justement, il y a une évolution déjà par rapport à... Depuis l'adoption de ce projet de loi, on a entendu des élus de l'Assemblée nationale demander à ce que ce soit possible que nous puissions inscrire dans nos directives médicales anticipé que si je reçois un diagnostic de maladie d'Alzheimer et qu'à un certain stade de la maladie, je n'ai plus la capacité de prendre la décision, mais je veux être capable de la prendre en amont. Alors, au moment où j'ai toute ma tête, je peux dire, je vais atteindre telle condition
dans la maladie d'Alzheimer, je veux qu'on mette un terme à mes souffrances et à ma vie. Alors, on en est là, au Québec. Déjà, il y a un pas qui a été fait. Maintenant, nous sommes déjà rendus ailleurs. Il y a d'autres pays, comme les Pays-Bas, la Belgique, qui ont légiféré il y a 15 ans. Les mineurs peuvent déjà accéder. Alors, on va voir d'autres évolutions par rapport à la fin de la vie. Je vais vous arrêter, Mme Gaudreau. Malheureusement, c'est terminé, mais c'est fascinant. On a beaucoup de choses à discuter, beaucoup d'évolutions à venir. Je profite du temps qui me reste pour vous remercier, Mme Gaudreau, députée de Hull et vice-présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Maître Benoît Pelletier, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, et notre juriste, Maître Laurence Martin. Pour nos auditeurs, en terminant, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir voir vos juristes des centres de justice de proximité du Québec et le Centre de l'Outaouais, bien évidemment. Ça va leur faire plaisir de répondre à vos questions ou consulter les ressources dont on a discuté aujourd'hui à l'émission. Merci beaucoup, à la prochaine. Le Centre de justice de proximité de l'Outaouais a pour mission de faciliter l'accès à la justice pour les citoyens et citoyennes de la grande région de l'Outaouais en leur offrant des services d'information juridique gratuits, de soutien et d'orientation offerts en complémentarité avec les ressources existantes. Vous pouvez contacter votre Centre de justice de proximité par courriel à outaouais@cjpqc.ca ou par téléphone au 819-600-4600 ou encore sans frais au 844-606-4600. Nous sommes aussi présents sur le web à www.justicedeproximité.qc.ca et aussi sur Facebook et Twitter.